a vu comment calculer les sorties d'une couche de neurones dans un réseau de neurones en utilisant le formalisme des matrices. Cependant, il se peut dans les réseaux de neurones, surtout les réseaux de neurones profonds, on va avoir plusieurs couches. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer c'est quoi qui se passe dans un réseau de neurones? Alors, on peut faire dans une formule avec un index où on va avoir que la sortie d'une couche qu'on va donner dénotée par L, ça va être égal à, on va avoir notre fonction d'activation fois, là, on va avoir notre matrice W fois la sortie de la couche précédente, donc L-1, plus notre biais B. Et ça, ça va nous donner la sortie de notre couche L en fonction de la couche L-1. Donc, peu importe combien de couches on a dans notre réseau profond, ça va être la même chose à chaque couche. Et il faut aussi qu'on ait un index pour nos matrices de poids et notre vecteur de biais.